Bonjour, je m'appelle Benjamin Bonnel, je suis le président de Otaï Village. Donc nous sommes en train de construire un éco-village au Sénégal, à Joal Fadiouf, plus précisément. La genèse de ce projet, c'est la construction d'une école au Sénégal il y a 15 ans, pour permettre aux enfants d'aller apprendre à écrire et à lire. On s'est vite rendu compte que le modèle humanitaire était paradoxalement contre-productif, donc on s'est concentré sur l'entrepreneuriat social, c'est-à-dire comment une entreprise peut concilier l'approche économique et sociale, dans le but de pérenniser cette école. Très vite, on a revu notre modèle, parce qu'on a donc donné l'école au ministère de l'Éducation au Sénégal, puisque c'est leur mission, pour revoir notre mission sociale et environnementale, pour rediriger notre mission sociale et environnementale vers une aire maritime protégée. Donc une aire maritime protégée, c'est une zone protégée où tout un groupe de parties prenantes gère les ressources halieutiques. Parce qu'il y avait un problème de surpêche qui posait des problèmes économiques, donc sociaux. Donc tout le monde s'est mis ensemble pour sauver les poissons, pour avoir plus d'argent et pour mieux vivre. Simplement, cette organisation a un problème de financement. Donc c'est là où on intervient en construisant un hôtel qui reverse une partie de ses bénéfices à cette organisation. La bonne pratique qu'on aimerait valoriser, c'est la patience, parce que c'est un projet international, multiculturel. Donc il nous a fallu beaucoup de temps pour apprendre à connaître les Sénégalais, la culture, comment travailler avec eux, et encore plus localement à connaître le village, parce qu'on vient s'implanter en tant qu'étranger. Et pour avoir de bonnes relations avec les villageois, il faut du temps et il faut beaucoup dialoguer. Donc c'est la première des choses qu'on a fait. Donc ça fait plus de 4 ans qu'on discute avec eux. On est allé voir, on est allé leur demander de quoi ils avaient besoin. Donc c'était assez basique, hein, création d'emplois, protection de l'environnement et ne rien changer à leurs habitudes. Et on leur a proposé d'autres pistes pour améliorer leur qualité de vie. Entrepreneur d'avenir nous a apporté beaucoup, notamment beaucoup de confiance en nous. Parce que quand on fait des projets un peu différents, on a tendance à être vu comme des marginaux. Alors quand on peut aller voir un groupe aussi puissant, pas puissant par sa taille, mais puissant par ses valeurs et ses convictions, ça donne beaucoup de force pour aller plus loin et pour continuer. Notamment beaucoup en termes de contacts, énormément de ressources. Pour le Parlement national de juin, nous aimerions aborder les termes de l'entrepreneuriat social et plus particulièrement dans notre secteur de l'écotourisme ou du tourisme responsable.